sûr que leur repère est dans cette direction. Garde du bien les disciples. Ils n'arriveront pas à passer avant de l'avoir éliminé. Vous avez éliminé la garde. Le calme est fait. Catch de l'hiver. C'est la première fois que j'en vois un à la surface. Cal est sûrement dedans. Il y a une salle du trône à l'intérieur de cette chose. C'est là qu'on trouvera Draxis. Voilà le cal. Était l'une des pires horreurs de notre système solaire. Sans leur calme, les maisons ont souvent tendance à se faire venir. Nous allons peut-être réussir à les chasser de l'académie. Nous avons déjà capturé Skolas une fois. Nous le referons. Nous devons simplement identifier sa prochaine cible. Pour ça, je sais par où commencer. Je vous remercie, gardien. Les loups ont pris le contrôle de l'artillerie de la maison de l'hiver. Détruisez-la avant qu'ils ne se retranchent. Thank you.
Déclencher des explosions est plus divertissant que de délivrer des messages à la reine. Poursuivez les gardiens. Varix, êtes-vous sur la ligne? Qu'a-t-il dit? Oui, oui. Je vous traduis. Les loups sont braves. Tremblez devant le cal de tous les cals. Le cal de tous les cals? D'où sort-il ce nouveau titre? C'est une légende déchue. Il se prend sans doute pour un prophète. Il est devenu fou. Par l'avoir. En attendant, il reste des loups dans la zone. Éliminez-les. Ces armes sont impressionnantes. Varix, qu'est-ce que c'est? Des canons brûleurs. J'ai détecté un bref afflux d'énergie Vex sur toute la zone. Quant à vous, beau travail. Je n'en attendais pas tant d'un gardien. Revenez vite au récif. Maintenant que la maison de l'hiver obéit à Skolas, nous savons que les loups iront jusqu'au bout. Nous avons déjà capturé Skolas une fois. Nous le referons. Nous devons simplement identifier sa prochaine cible. Pour ça, je sais par où commencer. Pas de répit tant que Skolas est dans la nature. Ah !
Bon travail. L'Arak sera sûrement satisfait. Skolas n'est pas une proie facile à saisir. Des crocs silencieux, des assassins. Suivez leur piste jusqu'à la terre. Nous allons affronter les crocs silencieux? Ah, j'attendais ça avec impatience. J'ai déjà affronté les crocs, gardiens. Ils sont forts, mais pas autant que nous. Nous allons les éliminer. La guerre du récif. Les crocs silencieux sont des assassins, de vrais anges. Pendant la guerre, ils s'en sont pris à nos commandants. Ils en feront de même avec les diables. Mais Varix et moi connaissons bien leurs combines. Nous les aurons. Nous pensons qu'ils se réunissent aux portes du Cosmodrome. Mieux vaut les trouver avant qu'ils ne sèment le chaos habituel. Faites attention. Varix, pourquoi les diables ont-ils installé autant de pièges? Les diables peuvent détecter les signaux radio aussi bien que nous. Ils savent peut-être. Les loups sont sur leur piste. J'avais empêché Skolas d'enrôler les diables. Mais il y a une autre maison déchue sur Terre. Il va certainement se tourner vers les rois. Nous faisons du bon travail, gardien. À leur façon, les rois sont plus dangereux que les crocs silencieux. Mettez-vous en route. Pour la reine. Essayez de trouver la source de l'interférence. Déprivez-la. Skolas brouille le signal à l'aide de hauts serviteurs, comme lors de la guerre du récif. C'est peut-être un problème pour Petra, mais pas pour moi. Je vous guiderai.
Excellent. Je ne sais pas ce que vous avez fait, mais le signal est redevenu clair. Varix, êtes-vous là? Oui, oui, je suis là. Les rois verront la meute de loups eux aussi. Ça ne leur plaira pas. Les loups se dirigent vers un vieux centre de commandement de l'autre côté du champ de fusée. Les rois doivent se cacher là-bas. À la bataille de la Trouée du Crépuscule, les maisons des diables, des rois et de l'hiver ont combattu ensemble la cité. Sans l'intervention de ma reine, les loups auraient permis aux déchus de triompher. Vous devez empêcher Skolas de contacter les rois. Ils n'en sauront rien. Ils ne se poseront aucune question. Ils voudront juste vous tuer. Faites-en de même. Je détecte une forte activité dans le centre de commandement. Vous avez neutralisé le brouillage des serviteurs au bon moment. Si les rois ont bien détecté les loups avant l'attaque, alors Skolas a trouvé quelqu'un à sa hauteur. Ce qui est déjà une victoire. Revenez vite, gardien. Skolas a essayé plusieurs fois de s'approprier le contrôle des autres maisons. En vain, chaque jour qui passe l'affaiblit davantage. Nous avons porté un coup terrible au loup. Pour fêter ça, Varix a un petit quelque chose pour vous. Pour le récif. J'ai pris ceci dans le coffre de la reine. C'est joli. C'est à vous. Vous avez empêché Skolas d'asservir les maisons des diables et des rois. Les loups sont retournés sur Vénus. Vous rentrez ?